Voilà, donc j'ai découpé toutes mes pièces, c'est très rapide. Donc j'ai fait ma pièce principale en dépôt 6 mm. En fait, j'ai fait toutes les pièces en 6. Il n'y a que cette pièce-là qui va être en 3 mm. Donc c'est une pièce que je vais découper directement sur mesure une fois que mes flotteurs seront collés. Pour l'instant, j'ai pas découpé ceci. Je verrai plus tard dans la construction si c'est vraiment nécessaire. Ce sera plus pour embellir, ce sera le capot qui viendra recouvrir l'électronique, la lipo, le récepteur, etc. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Je vais découper directement sur mesure des renforts pour mes deux flotteurs. Voilà, donc j'ai découpé mes petits renforts que je vais venir coller. Moi j'ai décidé de les faire triangulaires, libre à vous de faire un arrondi pour pouvoir vraiment venir faire un flotteur bien plus arrondi que ça. Je vais ensuite venir coffrer donc mes deux flotteurs avec du dépôt de 3 mm. Donc je dégrossis à main levée et je vais venir l'ajuster directement sur l'appareil. Chose que j'ai oublié de faire avant de monter ça, c'est de biseauter mes pièces à 45 degrés pour venir poser ma plaque. J'ai oublié de le faire, pensez bien à le faire avant le montage. Là, mon premier flotteur est coffré. Ce que je vais faire en plus, ça apportera vraiment de la rigidité et en plus ça en rendra étanche, c'est que je vais mettre tout le long de la nervure et bien du scotch armé. Plus qu'à faire pareil au deuxième côté. Voilà, donc mes deux flotteurs sont terminés. J'ai poncé mes bords d'attaque. J'ai juste renforcé le corps de l'appareil simplement avec deux petites baguettes de bois. Le top, ce serait du plat carbone en 3 mm. Voilà, donc là le corps de l'appareil est bien rigide, on va pouvoir passer à l'empennage. Je vais pouvoir coller ma dérive, donc pour ça simplement j'ai ces deux plaques qui vont venir là, une dérive centrale. Petite modif de dernière minute, je vais donner plus d'angle. Avant de coller cette dérive et les volets de profondeur, je vais déjà passer un coup de peinture. Donc je vais faire le corps en jaune et les volets en bleu. Voilà, donc là ma peinture est faite. Comme d'habitude, très satisfait de cette bombe de peinture là. Ça bouffe pas le dépron, c'est impeccable. Donc je vais déjà fixer ma profondeur. Donc alors là j'ai fait une petite erreur de conception. Je vais rattraper ça. Je vais biseauter à 45 degrés.
Ensuite, je vais venir coller cette dérive. Donc j'ai déjà fait mes marques pour l'emplacement exact. Ensuite, je vais utiliser pour mes gouvernes deux micro-cerveaux 9 grammes. Il va me falloir de la corde à piano. Il va même me falloir des plus grosses longueurs que ça. Je vais donc lier deux cordes à piano ensemble avec un bout de scotch armé. Je vais renforcer avec une petite gaine thermo. Comme ça, on est sûr que ça bouge plus. Je viens de découper également deux bouts de d'éperon. Très vite fait, ce sera juste pour venir tenir mes cerveaux. Voilà, donc toutes mes gouvernes sont installées. Je vais pouvoir passer à l'installation du moteur. Alors pour le moteur, je vais utiliser ce Crace Pony en 2300 kW. J'ai modélisé également un support moteur, voilà, un petit bâti moteur en PLA que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D. Donc je l'ai réalisé sur SinkerCAD. Je suis parti de ce support là que j'avais déjà modélisé et que j'ai remixé pour lui donner cette forme là, pour qu'il soit légèrement surélevé et en avant par rapport à l'appareil. Donc je l'ai imprimé en PLA, 20% de remplissage, les parois font 3 mm, imprimé en 0,2 mm de hauteur de couche, sans support, voilà, moins d'une heure pour imprimer ça. Donc la croix de fixation, je l'enlève, comme ça je vais pouvoir venir visser directement mon moteur sur mon stand. Et je vais également venir y souder 3 bananes. Voilà, ce sera vachement plus facile pour pouvoir le brancher sur mon ESC. Donc je vais utiliser ce récepteur FS-IA6B, un ESC de 12A et ma lipo 1500 mAh. Donc avant de continuer, je vais déjà brancher et m'assurer que tout fonctionne. Alors là, on est sur le principe d'une aile volante. Donc il va y avoir nos deux cerveaux qui vont et à la fois permettre de tourner aux ailerons et à la fois permettre de monter et descendre. Là, je vais ensuite venir fixer le reste de mes éléments et déterminer l'emplacement de ma lipo. Voilà, donc avant d'aller tester ça en vol, déjà il est très important de faire quelques réglages. Donc évidemment, on active le mode 11 sur la radio pour que nos deux cerveaux fonctionnent ensemble pour pouvoir à la fois tourner aux ailerons droite-gauche et à la fois monter-descendre. Donc ça, c'est le mode 11 sur la radio, 11 mode. Très important, vu que c'est un appareil qui apparemment est très très vif, la stabilité va pas du tout être au rendez-vous. Donc pour ça, il va falloir programmer quelque chose d'important. Alors on va aller dans Dual Rate Exp. Donc en fait, l'exponentielle, ça va nous servir à simplement être vachement plus fin, plus doux en fait sur les premiers millimètres de course là. Je vais prendre ma Channel 1. Voilà, je sais pas si on a vu à la caméra, mais en tout cas, on voit qu'on a nettement moins de débattement en fait sur les premiers millimètres. Donc je vais mettre mes essais à moins 30. Sur cette radio, c'est moins 30 en exponentielle. J'ai moins de débattement et par contre, quand je serai à 100%, j'aurai la totalité de mon débattement. Donc ça, on le fait sur la Channel 1. Je l'ai fait également sur la Channel 2 pour qu'il y ait mes deux cerveaux qui soient bien raccords. Et je vais également le faire pour ma dérive. Voilà, moins 30 aussi. Donc j'ai mis moins 30 de partout. Je vais tester déjà en vol comme ça et puis je vais voir si j'ai besoin d'en mettre plus. Yeah.
Ok, alors le premier essai n'a visiblement pas bien fonctionné. Même en mettant plein gaz et en tirant sur le manche, l'appareil n'a pas du tout décollé. Je vais recoller mon moteur. Ok, bon, visiblement, mes supports ne tiennent pas le choc. Alors, la plupart du temps, ils se décollent simplement. Au dernier essai, il s'est carrément cassé. Ce que je fais, je vais essayer de modéliser un support vachement plus solide. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok, ça c'est cadeau. Il me manque encore du poids à l'avant. Il me manque de la puissance moteur puisque j'arrivais même pas à décoller avec. Une fois en l'air par contre ça fonctionne. Ce que je vais faire, je vais passer sur un moteur plus lourd et plus puissant. Ce 2212 de 1400 kW. Ma lipo, je l'ai mis le plus en avant possible. Malgré ça, il me manque encore du poids. J'avais rajouté 30 grammes. Ça suffit toujours pas, donc en espérant que ce moteur fasse la différence. Et je vais peut-être ajouter même encore 10 grammes de chaque côté. Il aura la ressource nécessaire normalement. Allez, je recolle ça, je change tout ça et on refait un essai. Ok, alors là j'en suis à mon cinquième essai et je crois que je vais en rester là. L'appareil vole vraiment mieux. J'ai rajouté quand même 40 grammes de plomb à l'avant, ce qui est énorme et encore il en manquerait. Voilà, donc ça vient simplement du fait que le moteur est pas assez à l'avant. Il faudrait peut-être essayer d'imprimer le premier support moteur que j'ai modélisé, mais de l'imprimer vraiment en ABS pour qu'il soit très solide. Voilà, ça aurait pour effet de mettre le moteur bien plus en avant et du coup on serait moins obligé de rajouter de poids. Donc là j'ai 40 grammes de poids à l'avant. Le centrage est pas encore tout à fait correct, il faudrait que j'en rajoute encore un tout petit peu. Là on est à 450 grammes en tout. Évidemment il n'a pas aimé le dernier atterrissage. Sur ce dernier essai j'ai même monté l'exponentiel à moins 50%. Et malgré ça on obtient encore un appareil très vif. En tout cas cette vidéo comporte 5 essais mais en réalité j'en ai fait bien plus. Et j'aurais cassé à peu près 6 hélices. Voilà, j'ai fait des tests avec différentes hélices. J'ai fait des tests en le jetant directement en l'air parce que j'arrivais pas à le faire décoller au sol. Bon, en tout cas, j'aurais essayé. C'est plutôt un fail. S'il y a des courageux ou des inconscients, le plan est dans la description. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle construction. Abonne-toi, commente et partage. Ciao !